Bonjour docteur Monzane, alors on se retrouve là à l'Union des Comores à Moroni. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le contexte sur l'île par rapport aux introductions de maladies? Depuis longtemps, on a introduit la téléviose. Bénin, Tanzanie. Donc face à ces risques d'importation, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place aux Comores? Plus particulièrement, ici en Grande Comore, nous avons la surveillance basée sur le risque. Au niveau du port et de l'aéroport, car c'est là qu'il y a les introductions des animaux sur pied. Dans le cadre de cette surveillance basée sur risque là, que vous avez mis en place, on se retrouve donc chez M. Ibrahim Mohamed Bachar, qui est un des plus grands propriétaires et importateurs d'animaux vivants sur l'île. Quelles sont les activités spécifiques que vous avez pu mettre en place? Une fois que les animaux sont débarqués au port, ils sont inspectés et quelques heures après, les animaux sont ramenés ici dans le parc de propriétaire. Tout de suite après, les animaux sont contrôlés par nos agents. Ils viennent inspecter, ils regardent la santé des animaux, ils font des prélèvements si besoin.